Chers frères patriotes du département de Kanel, bonjour les représentants de la coalition Yewi Askanwi, ici du département de Kanel. Bonjour l'ensemble du peuple sénégalais et de la diaspora. Mes remerciements les plus vifs adressés à nos autorités politiques, religieuses et coutumières pour la préservation de notre stabilité, de la stabilité sociale de notre pays, et que leurs prières sont toujours, et on le ressent, exaucées par Dieu pour un Sénégal de paix, pour un Sénégal stable. L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est la coordination départementale PASTEF de Kanel qui dirige cette rencontre et pour se prononcer sur la situation politico-judiciaire qui mine le pays depuis plus de 2 ans. C'est regrettable aujourd'hui de revenir encore une nouvelle fois après notre déclaration que nous avons faite au mois d'avril 2021 sur ce même sujet, mais c'est que les choses ont pris une ampleur qu'on ne s'y attendait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les faits. On accuse notre leader, le président Ousmane Sonko, le chef des patriotes, et qui appartient à la coalition Yewi Askanwi, qui est aujourd'hui l'espoir de toute une jeunesse, de tout un peuple, de viol. Un dossier aujourd'hui qui est sur la place publique, qui est connu au niveau non seulement national mais international. On l'accuse de viol. Et un viol, il est attesté par un certificat médical. Il y a une réquisition de la gendarmerie, la section de recherche de la gendarmerie, qui a envoyé la plaignante au niveau de l'hôpital pour faire une analyse. L'analyse, le certificat médical, les résultats sont sans appel. C'est qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel dans le temps le plus court, dans le temps le plus récent. Alors, on estimait que c'était suffisant pour que ce dossier-là soit classé sans suite. Parce que dans d'autres situations, on a vu que d'autres ont été incriminés grâce à ce même certificat médical qui a reconnu qu'effectivement qu'il y a contact sexuel. Dans le même cas, il y a d'autres qui ont été accusés et que le certificat médical a disculpé. Pourquoi donc ces deux poids, deux mesures en ce qui concerne le président Ousmane Sonko? Oui, ce dossier-là, s'il est envoyé en criminel, c'est regrettable pour le Sénégal, pour sa stabilité. On ne devrait pas en venir à ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a des soubassements politiques réels. Remontons un peu dans l'histoire. Au mois de décembre 2018, le président Macky Sall avait soutenu devant tout le peuple sénégalais que si les Sénégalais lui font confiance, il sera à son deuxième et dernier mandat. Impossible pour lui de briguer un second mandat. Dès sa réélection, encore lors d'une rencontre avec les mêmes journalistes, il nous sert bien évidemment cette réponse. Je ne répondrai à cette question ni oui ni non. Donc, les enjeux sont là déjà. Il susurrait dans sa tête cette volonté manifeste, bien évidemment, de briguer une troisième candidature. Mais tout récemment, nous en avons eu la preuve, la confirmation à travers le livre de Cheikh Yérim Seck, dans un de ses passages. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au mois d'août 2020, dans le plus grand secret des dieux, le président Macky Sall a adressé une correspondance auprès du Conseil constitutionnel en lui posant cette question-là. Au regard de notre constitution, pourrais-je briguer un mandat aux élections présidentielles de 2024? Le Conseil constitutionnel lui répond en substance. Oui, vous pouvez. Alors, il met toutes les conditions autour de lui pour pouvoir vraiment se représenter en 2024. La première chose, dit-on dans le livre, c'est de sécuriser bien évidemment sa candidature. La deuxième chose, c'est faire rallier à sa cause les chefs religieux et coutumières. La troisième chose, bien évidemment, c'est éliminer tout obstacle, bien évidemment, pour sa réélection. Et aujourd'hui, cet obstacle-là n'est rien d'autre que le président Ousmane Sonko. Pourquoi? Le président Ousmane Sonko a été élu en 2017 comme député par la grâce du plus fort reste. Il arrive aux élections locales de 2023, en janvier 2023, il remporte haut la main devant un candidat coriace qui est Abdoulaye Badé, qui était le maire sortant de Ziguinchor. Il le bat à plat de couture pour, bien évidemment, remporter la mairie de Ziguinchor. Aux élections législatives, malgré l'invalidation injuste de la liste des titulaires de Yewi Askanwi qu'il portait,
il a tenu et il a été déterminé à faire campagne et à faire gagner cette liste. Oui, l'opposition a gagné parce qu'au finish, on avait 83 députés pour l'opposition et 82 députés pour Ben Boko Yakar, avant bien évidemment le revirement de Pape Diop. Et je suis convaincu, si Pape Diop, les gens savaient qu'il allait trahir le peuple sénégalais, je suis convaincu qu'il n'allait même pas avoir un seul député. Mais n'empêche, donc on voit que l'aura, le prestige, le charisme du président Ousmane Sonko ne fait aucun doute. Alors, il faut le briser. Le président Macky Sall se sert de sa justice. Il se sert de sa justice pour le briser, pour l'écraser. Parce que, un pour eux, le procès moral suffisait simplement à le traîner dans la boue. Le procès moral suffisait simplement à le faire discréditer. Mais ils se sont rendus compte que tel n'est pas le cas. Et on sait, l'histoire nous apprend, qu'au lendemain de l'élection du président Macky Sall en 2012, il avait entamé la reddition des comptes, la traque des biens mal acquis. Et c'est en ce sens-là que tout le peuple avait soutenu son projet de reddition de comptes. Mais malheureusement, sur la liste des 25, il n'y avait que Karim Wade qui a été sanctionné, qui a été exilé, qui a été écrasé et qui ne pouvait plus se présenter aux élections de 2019. Et les autres se sont retrouvés autour de lui, auprès de du Conseil des ministres, de la table du Conseil des ministres. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Khalifa Ababacar Sall, qui constituait une menace parce qu'il avait une grande audience à Dakar. Il était réputé être un opposant qui était incorruptible. Il fallait trouver donc des problèmes. Il fallait lui faire croire au peuple sénégalais que lui aussi, c'est un détourneur de biens publics. Et on connaît la suite de son procès. Il a été inculpé, il a été placé sous mandat dépôt et bien évidemment, il ne pouvait plus se présenter aux élections locales, aux élections présidentielles de 2019. Alors, le boulevard était ouvert pour le président Macky Sall. Parce qu'en ce temps-là, il ne craignait pas, bien évidemment, la puissance de frappe du président Ousmane Sonko, qui venait juste de mettre au point son parti en 2014. Étant donné que cette année, tous les sondages, tous les bulletins nationaux et internationaux attestent que si, ici et maintenant, hic et nunc, il va aux élections face au président Sonko, il va perdre dès le premier tour. Et d'ailleurs, même lui, il ne peut même pas se présenter. Quel que soit le candidat qu'ils auront choisi, ne va pas faire le poids face au président Ousmane Sonko. Alors il faut le briser pour sécuriser leur arrière. Parce que les fonds, le compte rendu ou bien la Cour des comptes, on a le document de la Cour des comptes qui les épingle. On a le document de l'IGE qui épingle par rapport au pétrole. Donc ce sont des choses qu'il faut tout mettre en valeur pour se faire succéder par un homme qui est de son sérail. Alors, c'est le projet, bien évidemment, machiavélique. Et d'ailleurs, même, c'est un nom dont le radical vient de Macky Sall, bien évidemment. C'est un projet machiavélique. Alors, la coordination se tient debout, est prêt à affronter tous les obstacles. Et ce procès-là n'est plus un procès qui regarde exclusivement le président Ousmane Sonko. Non, c'est un projet qui regarde toute la jeunesse sénégalaise, qui regarde tout le parti. La décision sera prise par le parti et non pas par le président Ousmane Sonko. Non, nos espoirs ne seront pas galvaudés. Non, nos espoirs ne seront pas encore enterrés. Ça suffit, basta pour les morts au niveau des océans. Basta pour les morts dans le désert. Le Sénégal a les moyens nécessaires pour son émergence, pour que tout Sénégalais, où qu'il puisse se trouver, il puisse être heureux et jouir, bien évidemment, des dividendes de son pays. Alors, nous croyons au projet du président Ousmane Sonko. Nous croyons à la vision de Pastef, parce que c'est un homme qui a été dans l'administration pendant 15 ans, aux impôts et domaines. On ne peut lui reprocher aucun franc détourné. Pourquoi ne pas avoir confiance en celui-là? Et qui peut dire mieux que lui? Non, ça n'existe pas. C'est pourquoi ils sont obligés d'avoir peur. La véritable reddition des comptes aura lieu au lendemain de l'élection du président Ousmane Sonko en 2024. Je vous remercie pour votre aimable attention. De nous, département Kanel, Pastef, Manglen Diziad, Dylan Sant. Di sante presse bi yépp ñi xamé téw nañ fi bay seen yépp ñew féké suñu point de presse tay ji dañu taxaw di sante ñépp di gëreum ñépp au nom de la coordination départementale de Kanel wa mbakar na monsieur li wax na yépp lu ci wara wax xana dañuy répéter rek
Parce que depuis 2 ans, dañoo nek ci ciow bo xamné sa way, je pense que jëruko won fi waron na yëm fu mu waron yëm. Mais dédét dañoo nek ci gouvernement bu day waat bo xamné sa way dafa taxaw pour toroxal askanam, taxaw pour not askanam. Légui nak sénégalais yi taxaw, yalla di def bokku melni Ousmane Sonko jitu ñew taxaw nek face au président Macky Sall dal di koné li du fi amé. Nous dakh ko fum doon ligéyé ko xamé day ligé plus de 15 ans yor njabotam de sutura de ci def yépam nga xey xey nga né dama koy toroxal. Lan mo gëna metti lolu? Ousmane Sonko dem gëm yalla tok nu demat ba ci biir ñu da Ousmane Sonko rebelle lo xamné sa way dara du ci deug di sosal nit ki di ko waxal lu ne pour gën ko toroxal. Mais yalla mi xamé mom mom lu ne say buñu sos Ousmane le président Ousmane Sonko day melni day gëna yoku. Yalla Sénégal yi fal ko mu nek député ñu jëg fofu mu nek Ousmane Sonko li la li la li la mu jëg fa gagner la maire de Ziguinchor. Kon donc man nañ wax ni yépp nañ ko bayyi ci loxo suñu borom di ñaanal diko ñaanal nak di ñaanal suñu président Ousmane Sonko di kon ne la coordination départementale de Kanel ñu ngi sa ginaaw tay ñu ngi sa ginaaw suba e goudi ak beccëk ci xex bi duñu dess ginaaw duñu ma sa gess ginaaw ci département Sénégal yépp ci département Kanel du ci ma sa dess ginaaw dañu bëdd xex bo xex bi fu mu mëna yem di ñaan kilifa diiné yi képp ci mëna attu attu parce mo gën xex ba paré ngeen doon né tok leen jappé leen ni défé leen ni ñu ngi ñaan ñëpp képp ko xamé am nga ci baat ci réew mi ñu ngi lay ñaan nga wax ci parce que jam Sénégal jam rek la xam Sénégal jam rek la bëgg to le président Macky Sall bu mu fallu en 2019 en 2012 ku ko waxoon né monsieur le président il sera élu du ko gëm. Mais Sénégal yi dañ ko xéxal xéxal ko ñëpp taxaw di xéx ngir mom ba mu fallu yaakaar naam le président Abdoulaye su meloon ni moom tey jii du fallu jour bi ko maître Abdoulaye convoqué à la commissariat fu ne daw na fa dem na fu ne dem na Touba dem na fu ne si kilifa diine yi ñoo wax ne président Abdoulaye Wade bàyyi yépp tegal yépp ci suuf. Kon nag yow it soo ñëwee boo kii ñëw kilifa yépp taxaw daal dina tegal yépp bàyyi yépp nga dee du ma mu sa ba. Kon léegi nag na Sénégalais yi toog na Sénégalais yi jàkkaarloog moom comme jàkkaarloo la bëgg nañ jàkkaarloog moom. Fii nag Sénégal la kenn moomu ko nekkuñu su affaire ay roue ay roi mba ay leneen ak leneen ak leneen ay carte ñoo ko faloon ay carte ñoo koy fali di ñaan ñëpp di sant ñëpp. Man moom yaakaar naa wax bi man naa ko yemale fii parce que l' essentiel est dit par monsieur le l'adjoint au coordinateur monsieur Abbas Ly. Maa ngi félicité ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp xeex bi nag suñu xeex ñun ñëpp la bul kenn des ci ginnaaw loolu daal la amoon ci lu may wax tuuti ci olof jërëjëf. Salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu maare Moussa Ninko donc lenki ke conférence de presse bee ko daaxiri yo ona nawari nden jopati presque soro ɓeenu gari katto e lenki donc yiga bu ñaani oranta su konno baneti bane xa oda presque su nawari kuɓe sugari lenki gari ñimoy quoi yo donc conférence de presse ke puna keɓe gaɗo sababu lenki kenniya keɓe cow keɓe ko kamma lenki comme o président Ousmane Sonko xay mi watu sino hilli kam mun di donc problème xoore waɗo aji sar naxa ngay gatini keɓe danga masseuse yo gati ada a daga kamma force kamma xanayi xa ken xani gare ñatu ida saxa kamma tanu quoi xowani ama qura qura ni mani keɓe gan qawa qura ni kenni certificat médical ñaa quoi certificat médical ke xa docteur keɓe gendarmerie ke daxiri
agada test ke debari am ada ko yipuna nanti kubito si kibe ga dangi halle yigo makata yi kwa donc kemba ne wanyana sababu wa igaddo si ke siginino ngani kwa kay maddo si ke siginino ngani tida telea parce que gala ikebe kenni Ousmane Sonko na bugu kilekebe agano ngoni comme carte présidentielle ga yi kwa comme keto suga tu ya rembe président Macky Sall ata hana hitike ata fillahe kwa tahana nga ada kora kata ada Karim Maïssa Wad ada Kenya Kaba présenté 2019 agri kenga gadi maire de Dakar Khalifa Abubakar Sall ada kenka kilemba re kenkai na bagandi nanta kantanya na candidat kwa ogada famu ya rembe président Macky Sall c'est suga katono tengana katayi iga telemei kombakei anteke nyamunda kwa kenga makori ibana na ndaga tan kenga bega na kela ndaga kitene Senegal de parce que roi yom to maka kwa demokrasi nyano maka demokrasi kenga bega na kat electeur nu nyani luwa nu nyano maka conseil constitutionnel waere to nu nyani maki tengi kama juge nu wa ki tengi kama ka akitenta peuple ke su kama kwa lenki jeunesse ka revolte kwa yan tiketa aga kibe kama awa pourquoi parce qu'aga Québec ama ayogo garenya ni quoi utetene gaga bisuka ma asuni garenya ka ayogo kinga aga kube kama opposant quoi kinchuri garenya quoi kinya chigilengi jeunesse que susigi nanti kungado président Ousmane Sonko batenga quoi Macky Sall ga kibe munda nikite ncha kama pour naro kasonga kinga antakita antanyana aga nati wa dabarni suruntu gilia quoi inshallah rabbi asu gilia deja kay mera ker masar wari ken kota ker masar kan kunda bani atanu kwa awo kota roka tin hunare o ga no kebe lenki donc soro ga nasigi igara ko inanti kunna Ousmane Sonko munda donc o da ker masar wa donc ma jamane ku tengari lenke ga nati bi kiten ta Ousmane Sonko kama kebe ga batta masibo nyani donc ona Allah nyaga kuna ke masibo Allah nta kinyoi kwa ona daga gadi il faut ko agado kube batte modi nu kwani a wi hakilu mutu agi fayni nanti Ousmane Sonko konta modin kabare munda antake munda take munda ke su koy nanti gare nyani kwa Allah da koy lenki Ousmane Sonko watere do modin kwa a wi darono a bi respecte ne donc ko kaga kebe munda lenki Ousmane Sonko a candidature ke o wada batte ngal lenki wada batte ngal kumbane o watu jinira ma 2024 garo pale ke ngol ko inshallah. Voilà, donc digamé que pour anabasé gilono résumé ñantan coordinateur Abbas ada digamé ko ndour agada digamé ko olhondi donc ko kada honne sa so ni ngendi kata hullembi legari pour tan kana tumaremu oké kaholengi ke bané antan donc on an dru koto on a mede ma Ousmane Sonko aga torini yere 2024 ya gam inshallah. Voilà kay kada wa à l'attention de la presse, c'est vrai que c'est en pouvoir que je vais m'exprimer. Mais à l'attention de la presse, il est important toujours de faire quand même quelques réajustements par rapport à vos éléments-là. Parce que nous sommes là, mais aussi nous avons un coordinateur départemental. Donc on ne peut pas vraiment faire cette déclaration de presse-là sans omettre quand même le nom, en omettant le nom du coordinateur départemental. Donc s'il y a une possibilité de revoir vos éléments-là, surtout en français, voilà, il faut introduire donc au nom de la coordination départementale, de par son coordinateur départemental, Pape Omar Sarr, bien évidemment, empêché, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui souhaiterait partager avec nous, que nous, bien évidemment, tenons ce point de presse-là. Voilà. Voilà, donc je voudrais que vous ajustiez cela par rapport à tous ces éléments-là. Merci. Bandirabe et Seyilabe, on chalmina mon nyagana mal la mojere. On en arbe l'obé, pop patriotique ou ambe l'obé. On en patriotique ni mfra djarnadion, de on nombul andi darn de mon hen ou vertige. Presse au djarnam, en djarni mangandan da hoare mada, kilifa be meden dine be, ho be meden ade be. Nde wonno leydi sa yindi yeediran hande jogi yimbe modjube yimbe sellube yimbe doorobe Allah jaabo o do saha hande onon ko hande be buri soxlede hanki be coxlono kono ko hande be buri soxlede be coxla koy o do gandanda hoore ma nde fatere nde do nde gonden gilay duubi didi ha joni ede ngoni e fatere e kayil mo gandanda hoore ma hakkunde o do suko debbo biredo Adji Sarr e hakkunde mudum e Ousmane Sonko suko debbo o de o wi ko Ousmane Sonko wonde makko taw wona e welade fitandu makko kadi no wondare makko de homo jogi jogetaruji didi e juude makko o forsimo o wi ko alay sago maw lelobe gonda e der dum non o wi be gondi kena wona hakkelabi joyi taw wona welade fitandu makko nyande wontata joyi bernde ko den non o porti plainte
gendarmerie yi nayumu to gandan da hore ma to hopital wuji to maîtrise sage sage femme ma la bientôt gynécologue ben ewimu nde wonno so dedo ko waydani so kewi jomuni hewi nawer ko hopital ewe est ce wondama ma wonda no be jewi de kaydo yaltini woni certificat médical o yaltini kanko de balle bennude fof o yani gorko dum non mo sikuno minen min ci kanon tan hala ka ko don fonno haade so tawi kay ko hala tan viol bolo wonno kala Sénégal to viol wonno e monde viol wonno ko odon kay tentinta so ne wodi ma so wodani minen non mi pamani ngudo be sa berni odo wona kiloji didi so tawi kada jepti odon gadi a jepti odon poa kada berni goddo poa meme poa o wona kiloji sappo min pamani dum dum wadi non min pami honko sakki les holko sakki les hande o ko président Ousmane Sonko tan jogori hadde projet Macky Sall yettade holi faandare makko faandare makko hayso tawi o wiyani ni homo wona ya candidat 2024 kanko kam hayso mo wona ma o wonata o yida kam président Sonko wona candidat dum kam ne labi ni wiccer jon non o jepta justice makko o faw dum e dow makko nde wonno honko bennuno ko wari yumma wari ba ma sa soyni ma dum tan atokat koyde tep tep enen non honko choynin den no président Macky Sall ari laminde o wi kambe laminobe lobe o wadi liste habe timmino gasi joyi o wi hamin tumibe wande be dawnaani liggey mabbe o e ngalu leydi ni lawol dum non hamin nyaawabe ewde bandiraabe e der odon liste yimbe nogas joyi ko Karim Wade goto nanga hen Karim Wade goto soha hen Karim Wade goto forsa yaltina leydi ndi dum ko gile ngandanda horema 2015 o gayni o wi o heli Karim Wade o murni yemudum o balli goddo holmo hulno goddo ko Khalifa Ababakar Sall o nangi dum o heli yemu o morni dum o ubbi dum o dum e kaso he jo non presidentiel 2019 lawol gol hankatin uddirima mom andi heddibe be ben baba hadde mo lamtade kadi ko adi dum taw hade election presidentielle o wadde kanko jodi o wi Senegal na fo ene kedi video ji di fo den bada circuler imbe fof ene jogue portable nen o wi so Allah jebi Senegal naabe koli mom ndukki mo leydi ndi en 2019 o wadi mandat makko ha 2024 kanko o gayni constitution yamiranimo yo wat 3e mandat dum wi yimbe de Allah wadi Senegal naabe koli mo e do kongol makko ndokki mo kadi gongol mbimo yo kontin ko wadi ho ene welimin hasene welimin hasene mettimin min jabinimo yo kontin ndokane do goto mandat goto tan biya dum ummo don ene Senegal naabe din kewi teddungal kono ya taw non en dutte teddungal ngal kanko dewru tan en teddungal ngal holno wadi o namdira no wonti president de o namdira an kam ada heddi ko binuda ko o yala mi jabora hon ey mi jabora hon ala yaware leydi ke ko do fuddi bandirabe Allah de cenu mi wona ca kan yaware leydi ko do fuddi mi wita ey mi wita ala e der dum de do balle benude won bindi yanke goto e journaliste goto indi be cheikh yerim sek ginnen inde makko o wi e lewru witendu out hitande ujunaaje didi e nogas kanko président Macky Sall o windi suudu sardiyeji mawndu timminondu candidatji pour neddo waawa wonde candidat présidentiel o namdima dum o est ce que mimbi way wonde candidat ben bimo aha ada way wonde candidat 2024 yila non o nani dum koy peje o fawndirta pour no woniri candidat e kadi so woni candidat holno gagnorto dum non holko firti ko hemno Karim ko hemno Khalifa ko il faut o hemno dum Ousmane Sonko dum wadi non al o yidi porfidde koy odo dossier haw hela yemudum haw ubbudum dum non Senegal na bimi heewi president Macky Sall min dokkinoma e teddungal leydi ndi min jidi ko dokkira yimbe be leydi ndi dokki ngaccira dum e dow teddungal min jabata ko badda Karim ko badda Khalifa ko min jabata ada wada dum gandanda hoore ma Ousmane Sonko so tawiran sedanta gangal ena laptuno cer o forsi odo suko debbo o mo joge captar o wonde mo wi mo wonde mudum dum ne lati ko minen ngadoro wiide yo wade kaso kono non hay batte ala ko wodi hen dum ko peje modon on leror jamma koydon plan tan mbiyon ngandan don hore maado yen baddum bandirabe sehilabe coordination départementale de Kanil e dow ardade Pape Omar Sarr habe ndari tem habe jade president Ousmane Sonko dossier onon wana Ousmane Sonko goro ala ko jeunesse du Senegal beedo suhabe daribe wombe ngandanda hore maada saha munen yibbe kanyume enne wurde der leydi munen be jino foti laade be jettardo be keddo e maaje be jettara ko be ko liddi ngurre do munen en ji eptobe otoji njaha e der désert he ko hen keddoto
et do hor habi ngopido leydi mabbe en wi en wadi galuji fof en wadi kagne en wadi petrol en wadi gaz en wadi zircon en wadi kala ko miji da e aduna en en tagi do leydi bandirabe ben so suha mun jihi en lorle tiagal leydi wadi non ko ardibe medem be gona ardibe be ewar ko kambe ko dandude koy mabbe e fandinde koy mabbe be gona do en leydi meden der departement de Kanil tan bedde de gire modon hol ko kepden min demi yagn wonar bangal dema wonar bangal gayna wonar bangal awo wonar bangal hôpital safron wonar bangal ecolage ecolage ni hande a yahan ecole modon suhabe be kirndo be gandanda hore ma en wodi ecolage be gala haydin musiji so tawi non on hadi wi en bonna yaakaare meden e gondo do Ousmane Sonko bandirabe en jabata dum hande en jabata dum jango eden dari tem eden jaade makko coordination départementale PASTEF et yanté coalition yewi askan wi yanté kala jiddo Sénégal kala jiddo Sénégal kala jiddo martaba Sénégal jabata nde do fenande coordination départementale non et do ardare coordinateur mudum Pape Oumar Sarr mo hebaani tawtere hande o do batu ene wi patriote rujidi ene wi les patriotes non sum wi non hande kurtima hankati parti PASTEF wonti ko Sénégal nabi fof mujida fenande kadi Sénégal nabi ene muñona neddo ko be jabata fenande den fenande den jabani hanki den jabanani Ablaye Wade bur sikki wona Macky Sall jabanten dum eden nyaaguri mon sibu Allah eden nyaagi khalifa be medem be yo kalde makko gila halane weli yo kalde makko gila somo halne homo nana taw force wona force en accinamo nde wonno eden ken teddube Sénégal nabi en jida firina kadi firina ala ko meedi nafde dum non président Macky Sall min dokkurnuma koy do jeyre min kabe Ablaye Wade min gaduma min jojinma min nyaagirma ko sibu Allah sar yaha ngaccina min leyda men di président Ousmane Sonko projet mo jogi o bele bamtare leydi ndi eden jii hen nde wonno so yeyre ala foto bamtare waato wonde moni fof ene jogi ngandanda horma darne no fur darade leydi he a darima leydi ndi dubi sappo didi albarkama a jaarama so tawi ka gorko so tawi ka dimo minande hamin nyaajima oro ngandanda hore maada oro nyamtu kongul ma oro eptu toure ma nde tunoda ada epta nden toure ada kadi nyamta nden dum sa wadi dum minen fof min kersat Sénégal fo hersat kala kalto jettinoda biinoda wonde ana wontara candidat ben koy mun gacce pourquoi enen africain ji ene wiye wonde enen laamu kay en baba setude laamu sona laamu tepta juude meden onon ko leydel keddibe ma yimbe keddibe ko buri en min nyaagoro sibu Allah président Macky Sall ko citoyen sénégalais non na halantuma haldrema do joni min nyaagi sibu Allah ko jidda wadde président Sonko ho rutto kacce ngala hen en ka mawdo an won jom leydi ndi kala jam burdo yidde jam e leydi ko an fori yidde burdo yidde jam min nyaagoro makko sibu Allah accu o do projet jidina dum leydi kala jiddo wonde candidat wona mo Allah rokki laamu ngu fof epta Sénégal assalamu alaykum wa rahmatullahi assalamu alaykum PASTEF département Kanil ko ardi fo min calmini coordinateur amen Pape Oumar Sarr e kala mo ina woni do e der département Kanil ha tengte kala patriote wonno do e Sénégal e ko wona dum ko hande amin jodi do de chaise mo ganduda ko do ena e Hammadi Hunare e kadi hollirde mette mudum e der leydi he paade e der odo casier judiciaire biado no bonne paatu do e hono president men Ousmane Sonko e ko be bi ko wona gonga fof kadi ko gonga battinde e der dido edji ko halate hen e bonandeji en ji kadi ko halate hen e ko fewani hakkude makko e Adji Sarr enen fof en juut en bibbi enen deedo nyaawore jango ko wona dum ko kadi ko en salibe minen département o min calima minen Sénégal na min calima kala to patriote wonno e leydi e ko min salibe deedo nyaawore kadi ko mbi ko kala ko wawatano haalede Abbas Ly haali soninke haalama e wolof kadi min jaadani e 3e mandat mo ganda président Macky Sall wi ina yidi wadde dum do e Sénégal minen min jaadi hande koy Sonko jango ko Sonko kadi kala ko yidi hen minen wonko min jidi hen min jida non ko mbi ko haala hewka ina bon haala so heewi tan ala gonga e wassalam ko mbiyata ko non be salmini fo be jurim fo en jaara je terminerai
là où j'ai commencé mon speech, mon intervention, remercier encore la presse d'avoir fait le déplacement, d'avoir rehaussé de leur, par leur présence effectivement ce point de presse, remercier les patriotes de la coordination départementale et à sa tête le coordinateur Pape Omar Sarr, remercier l'ensemble des patriotes du Sénégal et de la diaspora et dire simplement que le moment n'est pas vraiment à des querelles, mais c'est un moment à des retrouvailles pour un Sénégal de paix, pour un Sénégal stable. Donc au nom du doyen ici présent, Lassana Sidibé, et l'ensemble des coordonnateurs de section communale ici présente, donc par la voix du coordonnateur Pape Omar Sarr et des doyens, bien évidemment, Bouya Daf, qui est là, qui a fait le déplacement depuis Canel, et de notre oncle, et certainement qui fait partie de Magui Pastef, Baba Ismaïla Ba. Donc nous ne pouvons pas terminer sans pour autant les remercier vivement. Donc nous vous remercions d'avoir été présents à ce point de presse-là. Merci. Au revoir.